Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le second épisode de mon Let's Play sur la deuxième saison sur le jeu sport. Et je vous ai laissé la dernière fois sur cette cinématique que je n'ai pas arrêtée, donc du coup en fait je tourne les deux épisodes d'affilée. Donc ça y est, on rejoint Interferme avec notre créature un petit peu bizarre avec les yeux qui dépassent. C'est le début d'une nouvelle ère et aussi de vos premiers pas dans un monde bien étrange. L'air remplit vos poumons, vous dégourdissez les pattes sur la terre ferme, la course à l'évolution a commencé. Allez, c'est parti. Je vous invite évidemment à revoir l'épisode de... Non, pas l'épisode. La saison 1, si vous connaissez pas le jeu, au moins ça vous apprendra un petit peu les bases. Je rappelle aussi que je joue avec l'addon Aventure Galactique. Bon, ça sera important pour la suite. Pour l'instant, pour la phase espace, pour l'instant, ça sert pas à grand chose. J'ai pas envie de modifier ma créature tout de suite, je vais aller voir d'autres espèces. Genre les tunks. Un tunk furtif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'allie. Ouais, je vais peut-être commencer par m'allier avec les créatures, je les tuerai plus tard. C'est plus facile à bas niveau qu'à haut niveau. Allez, chantons. En même temps, t'as pas grand-chose. C'est pas compliqué. Mais tu ressembles vachement à moi en fait. Eh, hey, il me ressemble vachement, les mêmes yeux, presque la même... Ouais, non, pas la même couleur quand même. Ouais. Encore deux. On va faire celui-là. Ah merde. Allez, chantons. Ça y est. Donc on est allié avec eux. Bon, c'est pas forcément très très utile, mais... On va faire un peu pareil avec cela. Faut que je regarde la courbe d'évolution. Hein. Faut que je la surveille bien. Ouais, on remonte. Faut que je me maintienne dans Omnivore. En fait, cette phase-là est assez décisive. Parce que je voudrais vraiment vous montrer la faction économique... à la phase civilisation, parce qu'elle est vraiment super sympa à jouer. Du coup, il faut que j'essaye de me maintenir. Allez, hop. Nickel. En plus, on a gagné un bout de cervelle. Hop. La cervelle qui grossit. On peut avoir une meute. On va s'en occuper. On va aller au nid. Est-ce qu'on a un alpha? Donc que des bébés ou des normaux. Bon, bah, on va faire 5 alpha. Ah, ça va pas être bien compliqué. Et voilà. On va aller voir d'autres espèces inconnues. Ah oui, c'est vrai, il y a cinématique. Comme quoi, il est tout content d'être un membre de ma meute. On va aller voir d'autres espèces. Si on pouvait trouver d'autres... d'autres squelettes, donc d'autres éléments, ça peut être cool. Allons-y. Alors, vous, des bourpies. Alors, chant. En plus, c'est pas compliqué à ce niveau-là. C'est tous du champ, donc autant en profiter. Boum. En plus, c'est pas comme si on était deux, presque. Alors, par contre, les prochains là-bas, c'est du plus haut niveau, on va faire gaffe. Alors, on est repassé, non, on est toujours dans Prédateur. Bon, on va débarrer ailleurs. On va voir si on déplace la carte, où est-ce que ça nous mène. S'il y a d'autres nids. De toute façon, c'est ça, on cherche les nids. On va aller voir là-bas. Je les cherche de mon niveau, parce que sinon, après, c'est trop galère. Il
Il y a un squelette ici. Des goobs. On ressemble à des grosses limaces. C'est grave. Allez. Hop, là c'est bien. En plus j'obtiens des éléments vu que c'est un alpha. Hop, suivant. Bon, je fais ça en accéléré hein, parce que ça, c'est pas forcément très intéressant. En fait c'est la phase la plus énervante. La première fois c'est super bien. Mais alors après, le fun il perd tout. Enfin, il perd tout son charme. La phase cellule c'est cool parce que c'est Pac-Man, tout ça, c'est assez sympathique. Mais la phase créature, elle n'a que comme truc cool le fait qu'on puisse éditer des créatures. Et ça, la Sporpedia le fait très bien tout seul, il y a déjà l'éditeur directement intégré. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé un peu embêtante. Bon là, ceux-là, ils sont pas très contents. On va essayer de les rendre un peu mieux contents. Voilà. Au moins, ils sont pas trop énervés. Voilà, on les rend alliés. Hop, ça c'est bon. En plus, je trouve de nouveaux éléments. On est à combien? Toujours en prédateur, hein. Ça avance pas. Ça avance pas, ça avance pas. Ah, ils sont dans des cocons et s'ils arrivent pas à avancer, ça va pas le faire. Attends. Ah, ils montent. Donc là, ils sont dans des cocons. J'ai jamais compris pourquoi. Ouais, c'est pas grave, on va aller voir là-bas. Hein. Alors ceux-là, ils sont du niveau supérieur, ils sont du même niveau d'évolution que nous. On le voit à leur PV. Méfiance. Et merde. Ils ont fait charme. Allez, chante. Ah, j'étais presque. On va recommencer. Okay, c'est pas forcément ce qu'ils attendent, mais au moins c'est égal. Voilà. C'est bien. Merde. J'ai cliqué à côté. On va recommencer. Je vais essayer de m'allier avec eux parce que 30 points d'ADN, je suis preneur. Oh, j'ai 225. Et zut. N'importe quoi. On va recommencer, hein. Alors c'est marrant, c'est pas ce qu'il demande. Mais ça, ça monte plus que le champ. Bon. On va essayer d'impressionner le bébé, hein. Alors, si le bébé, c'est pas facile. 30 points d'ADN en plus, on est à 270, c'est impressionnant. Avec ça, on va pouvoir vraiment s'améliorer. Oh, il pleut. On va aller voir, il y a une espèce inconnue. On va faire la dernière et je pense qu'ensuite, on ira rentrer à la maison. Des modes, mais qui sont moches. Enfin, je suis pas sûr qu'on peut parler de brèves créatures dans le jeu. Par contre, ils sont du niveau au-dessus, on dirait. Méfiance. Ah non, ils ont une meute de fou, là. On va aller voir l'espèce inconnue qu'il y a là-bas. Les quadrupodes alpha. Non, c'est encore du niveau au-dessus. Bon, on va laisser tomber, on va rentrer. Ah, il y a un élément ici. On va quand même pas passer à côté de l'élément. Il y en a un là-bas aussi. Pourquoi se priver ? Coucou, comment ça va? Ah oui, j'ai faim.
On va vite rentrer. On rentre au nid. Donc j'en suis où? Hey, ça y est, on est passé dans adaptable. Par contre, c'est toujours pas la... On est toujours pas dans adaptable presque herbivore. Là, c'est... Amical, pardon. On est clairement très proche du rouge. Donc méfiance. Non mais pousse-toi. On va rentrer à la maison et on va passer dans l'atelier des créatures. Parce que là, je pense qu'avec 270 points d'ADN, il y a moyen qu'on fasse quelque chose de très sympa. Coucou. Je cherche l'amour. Ça pouvait être aussi simple. Ça pouvait être aussi simple dans la vraie vie. Bah allons-y. Allons-y. Le petit neuf. Hop. J'adore, c'est presque aussi gros que lui, quoi. Allez. Non, on peut pas augmenter plus, hein. Bon, bah allons-y. On va se mettre peut-être des bras. D'accord, des membres exosquelettiques. Avec on peut se... Ça va trop pas, ça va trop pas. C'est des pattes. C'est n'importe quoi. On peut faire des insectes quand même. À la limite, ça si on réduit un petit peu. Ah non, c'est la base qui est vraiment trop grosse. Voilà. On va réduire un peu. Et on va le descendre. Ah, ça va, je pense qu'il faut tout réduire. Parce que sinon ça fait vraiment énorme. Alors, on peut pas mettre des bras autres. Ouais, non, on va prendre des bras autres parce que c'est... un peu bizarre. Voilà, ça c'est pas mal. Donc une bouche. On peut mettre un champ supérieur. Là, c'est que des champs de niveau 1, quoi. En plus, j'ai mis une bouche omnivore, mais ça me donne que des bouches carnivores. On va prendre ça. Non, cisaille, c'est moche. Voilà, une petite bouche toute mimi. Bon, ça file quoi, ça? Ah, ça donne saut, je crois. On va le garder en attendant. Bon. N'importe quoi. Donc, les patounes. Faut que j'essaye d'avoir pause aussi. De toute façon, on va pas se battre avant un bout de temps. Au pire, on changera tout, hein. On changera complètement la créature à la fin s'il faut vraiment qu'on se tape dessus pour redescendre vers les carnivores. Mais de base, je pense que le mieux, c'est qu'on le mette en mode amical. Voilà. Par contre, on va essayer de se mettre toujours... Voilà, je remets un truc pour le charme. Charge santé niveau 1. Mais je crois qu'on a déjà santé niveau 1. Avec la bouche. Ah non, on l'a pas. Ouais, charge niveau 1, c'est toujours ça de prix. Alors, le charme. T'as deux petits poils sur le kiff. Alors à la limite, on va mettre le coquillet pour la santé derrière. On met des ailes. Peut-être pas les mettre là. On va les faire pivoter. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir virer cette corne-là et en mettre
Une qui tape plus fort mais qui donne pas santé vu qu'on a déjà santé niveau 2. Bon, voilà, on va peut-être essayer de l'agrandir un peu, que ça soit un peu plus menaçant. La frappe, on l'a pas la frappe. On va mettre le crachat niveau 2 aussi. On peut se le permettre, donc se permettre. La frappe. On va réduire parce qu'on n'est pas si menaçant que ça. Voilà. Et ah, j'ai plus 45 maintenant. Qu'est-ce que j'ai pas? J'ai champ niveau 1, de toute façon je peux pas mieux. Danse niveau 2, je peux pas mieux. Après j'ai tout niveau 2. Et combat, j'ai tout niveau 2. Bon, bah je suppose qu'on est bon. Je suppose qu'on est bon. Qu'est-ce que ça donne? Allez, charge-toi la couleur. Ouais, ça va. On peut pas voler. Et version miniature. Ouais, ça va. Je pense que ça va. Elle est plutôt pas mal, cette créature. Ah oui, c'est vrai qu'il se barre. J'avais complètement oublié. On va changer de nid. Tout qui est possible que j'ai pris suffisamment d'XP pour avoir directo ce changement du deuxième nid. Ouais, quand même pas. Ça serait un peu abusé. Oh, les yeux, mais c'est des yeux de malade, quoi. On dirait des antennes. Alors, en plus, on va avoir le droit un tuto sur comment tout faire en prenant de notre maman. Ah, c'est bon, je sais cracher. Pause. Alors la frappe. La charge. Et la danse. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, direction le deuxième nid. Le nouveau nid. En passant, on pourra peut-être aller s'approcher des modes parce que là, on a un meilleur équipement, on va dire. Oula, par contre, ouais, non, on va se tirer parce que il y a des gros ennemis. Quoique, on va peut-être s'en débarrasser. Hein. On va s'en débarrasser, même si ça m'embête plutôt. Parce que du coup, je suis pas que ça nous a fait baisser. Ouais, légèrement. On va chanter avec vous. J'ai pas envie de vous soyez méchants. Par contre, chanter comme de la merde. Hein. Enfin, je chante comme de la merde. Eux encore ça va, mais... Nous, c'est du hurlement. Par contre, vous savez pas faire autre chose. Remarquez, ça m'arrange. Hey! Je monte en niveau. Enfin, mon niveau de cervelle. C'est cool, ça. C'est tellement dur que ça m'étourdit, quoi. T'es content, hein? Du coup, ma meute peut comporter deux individus, maintenant. Y a pas d'autres alpha? Non, y a pas d'autres alpha. Bon, on va demander à un individu normal, hein. Voilà. Toc. Nouveaux éléments. Ah,
Hop, un nouvel élément. Oula, par contre. Ceux-là, ils sont clairement ennemis. Ils sont plein d'objets autour d'eux, mais ils sont clairement ennemis. Bon, bah ça vient de biper les 20 minutes. Bon, je vais essayer de pas dépasser ce format-là. On va se tirer de là. Il va se faire buter. On va se tirer de là. Je vais essayer d'aller ailleurs. Voilà, vous. Très copain. On s'est tiré. Et merde. On va l'aider. Alors, qu'il se fasse buter. C'était Just. Non mais reviens là toi. Elle va pas aller chercher. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !